à la vaccination, que là, ça a posé, donc, étant donné que la parole nous demande de respecter les autorités imposent des vaccinations qui, semble-t-il, sont nuisibles pour l'organisme. Est-ce que nous devons néanmoins respecter les autorités? Bon. Là, c'est un bon cas de figure qui est pris pour nous permettre de comprendre ça. On va lire un verset et après, je vais donner un exemple et puis ça nous permettra de comprendre par la grâce de Dieu. Donc, si nous prenons Romains chapitre 13 qui parle justement du respect des autorités. Chapitre 13. Alors, c'est pas passé. La même chose parce que Romains 13 est un peu très spécifique, mais il y a juste un aspect que je voulais nous ressortir là-dedans. On peut prendre Éphésiens chapitre 6 verset 5. C'est la même pensée qui est dans ce verset-là. Éphésiens chapitre 6 verset 5. Il est dit: serviteurs, obéissez à vos maîtres, comme les autorités, en fait, sont nos maîtres d'une manière ou d'une autre. Donc, obéissez à vos maîtres. Bon, ici, ça, nous, on comprend aujourd'hui, ce sont nos patrons. Selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Dans le morceau de phrase, en fait, que je voulais que nous retenons, c'est comme au Christ. Donc, même dans Romains chapitre 13, en fait, quand on parle de ces autorités-là, c'est toujours de leur obéir comme au Seigneur. Marie, femme, obéissez à vos maris, soyez leur soumises comme au Seigneur. Donc, le comme au Seigneur est très important parce que le comme au Seigneur introduit la notion de obéissez comme au Seigneur, c'est-à-dire tant que ce qui vous est demandé n'est pas contre la volonté de Dieu. Je prends un exemple, vous êtes fonctionnaire quelque part et vous devez célébrer les mariages homosexuels. Ce sont les autorités qui le demandent. Est-ce que je dois appliquer, respecter les autorités? Donc, peu importe ce que les autorités sont en train de me demander de faire, que ce soit la volonté de Dieu ou pas, puisque ce sont les autorités, je le fais. Est-ce que c'est comme ça que je... Est-ce que c'est ce que je dois faire? Ou est-ce que je dois examiner ce que les autorités me demandent de faire? Et puis, voir ce que Dieu me demande de faire, voir s'il y a, si l'un ne contredit pas l'autre, si l'un contredit l'autre, je dois appliquer ce que Dieu me demande. Nous savons que le mariage homosexuel est une abomination devant Dieu. Si, en tant qu'enfant de Dieu, on me demande de le célébrer, je ne dois pas le faire, même si c'est une autorité qui me demande de le faire. Il n'y a qu'à prendre... Par exemple, dans Actes chapitre 5, si je ne me trompe pas, ou Actes chapitre 4, lorsque les apôtres étaient menacés par le Sanhédrin qui était le tribunal religieux, qui était donc une autorité, les apôtres connaissaient bien, d'ailleurs, l'apôtre Paul, les apôtres connaissaient bien cette parole, ce commandement de Dieu qui demande de respecter les autorités. Mais pour autant, on a dit à Pierre, on vous interdit de prêcher dans Jérusalem avec ce nom-là, parce que vous avez rempli ce nom-là dans toute la ville. Pierre a dit quoi?
jugez en vous-même s'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Les hommes dont il parlait là, c'était des autorités pourtant. Parce que la volonté des autorités était opposée à la volonté de Dieu. Pierre a choisi de faire la volonté de Dieu. Donc, dès l'instant qu'il y a un conflit, c'est-à-dire que ce que l'autorité demande de faire est en contradiction avec la parole de Dieu, là, je ne dois pas le faire. Mais par contre, lorsque je ne vais pas le faire, je ne dois pas m'inscrire dans une rébellion. Parce que Hérode demandait beaucoup de choses, mais Jésus a trié ce qu'il devait faire. C'est-à-dire qu'il faisait des choses pour ne pas être en scandale, par exemple les impôts, il va payer avec Pierre, pour ne pas être en scandale. Mais il a dit que les enfants du royaume ne sont pas assujettis à cela. Mais il va payer pour ne pas scandaliser, comme on a vu là dans 1 Corinthiens 10, verset 32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc, ça, ce n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Il n'y a pas une opposition, ça ne transgresse pas la volonté de Dieu, donc on peut le faire. Donc, par contre, au moment, si l'autorité demande de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu ou quelque part va blesser notre conscience par rapport à la foi en Jésus-Christ, là, on ne doit pas le faire. Mais, en ne le faisant pas, on ne doit pas s'inscrire dans la rébellion. C'est comme, par exemple, une femme qui a épousé un inconverti, il faut qu'elle lui soit soumise comme au Seigneur. Donc, tant que ce que le mari demande n'est pas en contradiction avec la volonté de Dieu, la femme se soumet. Mais le jour où le mari va demander quelque chose qui est en contradiction avec la volonté de Dieu, la femme ne va pas le faire et elle ne doit même pas le faire. Mais par contre, elle ne doit pas entrer dans la rébellion parce qu'elle sera dans le péché. Si elle entre dans la rébellion, parce que de l'autre côté, Dieu lui dit aussi d'être soumise à son mari, donc elle peut refuser de faire quelque chose en restant dans le respect, en restant dans l'humilité. Donc, de la même manière aux autorités aussi, ce n'est pas parce que par exemple, on est contre le mari, enfin, on est pour la volonté de Dieu, c'est-à-dire être contre le mariage homosexuel, ce n'est pas pour ça qu'on va aller se mettre dans la rue pour manifester contre cela. Je sais que lorsque le mariage homosexuel a été validé, des chrétiens sont allés marcher dans la rue. En fait, ils ont utilisé les armes charnelles comme les païens. Les païens n'ont pas d'autre arme que d'aller marcher dans la rue. Nous, on a une arme qui est beaucoup plus efficace, qui n'est pas charnelle, c'est la prière. Donc, au lieu de se réunir dans la prière, certains sont allés marcher. Ils sont même arrivés de plusieurs villes dans des bus et tout pour aller marcher, pour aller se rebeller. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites à Jérusalem. À l'époque de Jésus, il n'a jamais organisé une manifestation contre la politique qu'Hérode était en train de pratiquer. Il a fait son travail de délivrer les gens, de guérir les malades, de prier, d'annoncer le salut. Il a fait ça et puis il est parti. Il ne s'est jamais mélangé avec les ou aller se rebeller par rapport à ce que Hérode pouvait promulguer comme loi qui était contre la volonté de Dieu. Donc, voilà déjà un premier point important. Donc maintenant, sur la vaccination, il n'y a qu'à examiner et voir est-ce que cette vaccination-là est bonne pour ma santé, parce que mon corps reste le temple du Saint-Esprit et autant que possible, je dois éviter de l'empoisonner. Donc, si la vaccination va venir empoisonner mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, je dois le préserver sain. Si c'est mon enfant, je dois préserver mon enfant sain, puisque la Bible dit que si un des parents est sanctifié, alors l'enfant est sanctifié. Mais cette sanctification-là ne sera manifeste que si le parent qui est converti joue son rôle de sanctifier, c'est-à-dire de préserver l'enfant des souillures du monde, de prier pour cet enfant. Donc, si les 11 vaccins obligatoires sont nocifs pour le corps de l'enfant, comme c'est un enfant qui est sanctifié par Dieu, moi la maman ou moi le conjoint converti, je dois veiller comme si c'était moi-même. C'est-à-dire que ce que je n'accepte pas pour moi-même, je ne dois pas accepter ça non plus pour mon enfant qui est sanctifié par Dieu. Donc, à ce moment-là, je ne serai pas
comment dire, en contradiction avec la parole de Dieu, parce que là, il y a un conflit. Dieu me demande de préserver ce temple du Saint-Esprit, et là, l'autorité vient me prescrire quelque chose qui va détruire mon corps. Donc là, je dois faire le choix de préserver mon corps, et dans la mise en pratique de ce choix-là, je dois éviter d'entrer dans un conflit avec l'autorité, dans une rébellion vis-à-vis de l'autorité. Je dois le faire avec la plus grande sagesse que Dieu, que je dois demander à Dieu. Donc, voilà pour cette question-là, pour ma part. Amen. 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 Je crois que s'il n'y a pas à compléter, la quatrième question a déjà été répondue. Tenter Dieu par rapport au carburant en fin d'année, en fin de mois. En fait, pour finir la fin de mois, je crois que le frère Georges, quand il développait, en fait, il a répondu à cette question-là. Mais c'était dans un autre contexte. À moins que tu veux qu'on redéveloppe, mais dans sa réponse, il y avait, enfin, dans son intervention, il y avait la réponse à cette question-là aussi. Je pense qu'il ne faut pas tenter Dieu. Oui, c'est-à-dire que, en fait, quand on a un besoin et que Dieu a déjà répondu à ce besoin-là, on ne va pas aller imposer à Dieu le canal par lequel, ou bien le moyen, ou bien la manière dont Dieu doit répondre à un besoin. Donc, par exemple, je vais prendre dans un autre domaine, quelqu'un qui cherche du travail. On dit, enfin, les employeurs disent qu'il faut déposer un CV qui sera étudié pour pouvoir obtenir un emploi, si bien sûr nous passons les entretiens et qu'ils sont favorables. Toi, tu dis, Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu de miracles, moi je ne vais déposer de CV nulle part et je sais que Dieu va me trouver un travail. Voilà par exemple un moyen de tenter Dieu. Parce que il y a un moyen que tu peux faire, qui t'est demandé et qui est dans tes cordes, ce n'est pas quelque chose d'impossible qu'on t'a demandé. Tu as la possibilité de faire un CV, mais tu dis non, je ne vais pas le faire, et puis Dieu va me donner un travail sans que je n'aie déposé de CV. Donc là, tu es en train d'imposer un moyen à Dieu de pouvoir agir ce qu'il ne faudrait pas. Tu demandes à Dieu de te donner un travail sans que tu n'aies déposé le CV. En fait, tu imposes à Dieu la manière dont il doit intervenir. Pourtant, Dieu doit rester libre. Donc là, tu es en train de tenter Dieu pour voir s'il est capable de te donner un travail sans que tu n'aies de CV. Maintenant, quelqu'un qui se trouve dans une situation où il n'est pas en possibilité de faire le CV, ben Dieu peut lui donner miraculeusement un travail sans avoir besoin de CV. Donc Dieu est capable de le faire, mais il ne le fait que dans des circonstances qui sont nécessaires, parce que Dieu ne fait pas les miracles pour les faire. Dans tous les passages de la Bible où on voit Jésus-Christ accomplir des miracles, ou bien même Dieu dans l'Ancien Testament, il ne fait jamais les miracles juste pour montrer comme ça que, bon voilà, c'est moi Dieu, je suis capable de faire tout. Nous voyons par exemple Jésus-Christ quand il s'est retrouvé dans le désert avec le diable lui a demandé de transformer les pierres en pain. Jésus-Christ ne l'a pas fait, non pas parce qu'il n'en était pas capable, mais parce que s'il le faisait, c'était juste pour comme un défi avec le diable, mais ça n'avait pas d'intérêt spirituellement. Voilà pourquoi il va réfuter cette proposition du diable. Donc si Dieu a pourvu que tu aies de l'argent pour mettre de l'essence dans ton réservoir pour que ça tienne pour un mois, ou s'il a pourvu de l'argent pour que tu puisses mettre le carburant à plusieurs reprises pour aller jusqu'au bout du mois, si toi-même tu décides de mettre juste
une certaine quantité alors que tu as la possibilité d'en mettre plus, et que tu demandes à Dieu de te permettre de finir la fin du mois, ça effectivement tu es en train de tenter Dieu, parce qu'il a déjà répondu d'une autre manière en te donnant les moyens d'y arriver. Mais tu veux imposer à Dieu en fait de te montrer sa puissance en te permettant de terminer le mois avec le carburant que tu avais déjà mis, alors que tu as la possibilité d'en mettre suffisamment, et Dieu a pourvu pour cela. Donc c'est en ce sens-là que ça devient tenter Dieu. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire sur cette question-là. Amen. 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 Amen.